Et donnez-vous un décès signalé parmi les anciens pilotes français. Jean-Pierre Jabouille est décédé. Vainqueur de deux Grands Prix, il s'est éteint ce jeudi à l'âge de 80 ans. Celui qui a couru pour tirer les Ligier en F1 aura surtout été le premier à faire gagner Renault en Formule 1. Le grand blond restera dans l'histoire pour avoir fait gagner les monoplaces jaunes aux losanges. Sur le circuit de Dijon-Prénois, Renault et Jabouille ont fait gagner pour la première fois de l'histoire un moteur turbo. Sa victoire a été malheureusement éclipsée par la fantastique bataille entre l'autre Renault de René Arnoux et la Ferrari de Gilles Villeneuve. Un an plus tard, il remporterait une nouvelle victoire avec Renault en Autriche sur l'Österreichring. Donc voilà. Alors c'est assez court, on ne sait pas de quoi il est mort. Sûrement de vieillesse du coup. Ça aurait été précisé qu'il avait une maladie sinon je pense. Donc voilà, bah écoutez, RIP, Jean-Pierre, décidément, c'est la période, hein, visiblement, des décès là, en cet hiver 2023, pour les pilotes français notamment. Voilà, bon, bah, que retenez-vous de sa carrière, Jean-Pierre Jabouille, bon, je l'ai pas connu moi, donc. Mais bon, il avait l'air plutôt bon, ce pilote. Allez, ciao!